Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'agenda Disney 2019 qui a la particularité d'être aussi un cahier d'art-thérapie. Alors non, le coloriage n'est pas fait que pour les enfants. Pour les adultes, on appelle ça l'art-thérapie. C'est une forme de psychothérapie qui utilise la création artistique pour prendre contact avec ses sentiments, les exprimer et les transformer. Enfin bref, c'est un très bon moyen de se détendre et on en a tous besoin. Alors, que contient cet agenda? Eh bien, des pages de notes. Une page avec les informations personnelles. Les calendriers 2019 et 2020. Une page avec les vacances scolaires. Carte du monde avec les fuseaux horaires. Une carte avec les départements français. Les numéros d'urgence. Et enfin, un carnet d'adresses. Au niveau de l'agenda en lui-même, il y a une page qui contient une semaine complète, qui va du lundi au dimanche. Alors il n'y a pas forcément de place pour écrire beaucoup de choses. Et pour le samedi et le dimanche, l'espace est réduit. Donc c'est vraiment un agenda fait pour noter ses rendez-vous. On n'a pas la place de faire des to-do list ou de s'en servir comme d'un journal intime. En face de la page avec la semaine, on a un dessin Disney. Je vous laisse en barre d'infos la liste complète des Disney présents dans cet agenda. Mais ils y sont un petit peu tous. Ça va du plus vieux, qui est Blanche-Neige, à Vaiana. Et non, hélas, Coco n'est pas présent. Moi, personnellement, je le colorie qu'avec des crayons de couleur, mais le papier me semble assez épais pour qu'on puisse le colorier avec des feutres. En revanche, je ne sais pas du tout si on peut le faire en aquarelle. La petite difficulté dans ce genre de dessin, c'est qu'il y a beaucoup de détails, alors il faut avoir vraiment de très bons yeux. Pour les personnes qui sont sensibles à l'environnement, il est noté à la fin de l'agenda que pour l'éditeur, le principe est d'utiliser des papiers composés de fibres naturelles, renouvelables, recyclables et fabriqués à partir de bois issus de forêts qui adoptent un système d'aménagement durable. En outre, l'éditeur attend de ses fournisseurs de papier qu'ils s'inscrivent dans une démarche de certification environnementale reconnue. Et l'impression s'est faite en Espagne. Il est au prix de 12,90€. Personnellement, je l'ai eu un petit peu moins cher sur le site Momox. Et voilà mes chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui et cette année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse.